Je pense que je peux go. Peut-être faire un demolish en vrai. Vas-y, je vais lâcher un demolish contre Shen. Oh là, attends. Ok, en fait, c'est Aatrox top. Shen sup. Ok, c'est compliqué. Ok, c'était un peu imprévisible le Shen support. Putain, il a un winrate de zinzin. Ça se trouve, c'est le smurf de Zueb. Après, je crois pas qu'il joue ses champions en seconde main Zueb. Je crois qu'il joue rien d'autre que Aatrox de toute façon Zueb. Mais en tout cas, le winrate du mec fait peur. Darius 7, Malphite Kled. Et là, il y a aucun Darius. Il y a 7. Il y a ni Malphite ni Kled. Imagine, t'as dépensé de l'argent pour acheter de l'Arbis. On a tous un skin. Ah non, Aatrox, il y en a pas. J'aime beaucoup les skins en Pyrian. Après, j'aime bien les skins très colorés, perso. Quand je dis ça, je joue God King Darius, mais les skins très lumineux colorés, j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'aime pas les skins Coven. Je les trouve vides. Je trouve qu'ils ont pas d'âme, ils sont. Enfin, ils me rendent triste. Alors que là, les Empyrean, ils sont tout beaux, tout jolis, tout colorés, ils rendent heureux. Plein d'animations. Ouais, t'as envie de flex. Oh. Bon, moi j'ai plus de flash. C'est un peu chiant. J'aime bien, mais ils se ressemblent tous, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent quand même. Genre, je vois que God King Darius, il est pas. Enfin, il est quand même un peu coloré. Genre, tu regardes in-game, il a la hache bien rouge. Il a du rouge sur son armure. Sa cape, elle est quand même bien rayonnante. Les Coven sont incroyables. Enfin, je sais que tout le monde aime les skins Coven, mais perso, j'aime vraiment pas. Genre, je les trouve. Enfin, vraiment, je n'aime pas du tout. Et je sais que pourtant, la grosse majorité des gens aiment ça, tu vois. Mais juste, je les trouve trop vides d'âme. J'aime pas. J'ai l'impression que le skin, il est mort. Il m'inspire rien. Il m'inspire la tristesse au mieux. Bon, ça me fait un peu chier, du coup j'ai un démolish. Et du coup ça veut dire qu'il a pas son dash et qu'il a pris son Z en deux. Important à noter. Lâche-moi juste un slow et normalement je pense qu'on le tue. Il y a encore un kill d'ici là. Mauvais plan. Ah, mon FF. Ah, bah FF, hein. Il y a le Shen qui est là dans. Ouais, ok. Mais du coup, ils sont morts bot sans qu'il y ait le Shen. C'est ça? Si je dois bien comprendre. Si je dois analyser, ils sont morts bot alors que le Shen n'était pas bot. Parce que moi, du coup, je me suis dit, bah, genre, vraiment, tu sais, je n'y ai pas pensé, même que ce soit ne serait-ce qu'un peu possible. Et du coup, maintenant, le Brand lâche un roam top aussi. Pour counter, j'imagine. Oh, dommage, il a mis 8 heures à faire le tour, donc je meurs avant de. D'avoir de l'aide. Ah, ça s'annonce être une game particulière. Oh, le malaise du champion qui est dans 15 CS mais qui peut me trade. Et je pense c'est parce qu'il y a quelqu'un derrière, non? Ouais. Ah, ça va être trop marrant, mec. Putain, si ça me touche pas, je turn le chaîne et je tue. Oh. Va falloir flip des moves. Hein. Parce que là, ça va être dur. Aatrox en 3-1 qu'à l'état de wave. Alors qu'il y a le counter matchup, ça va être dur. En fait, c'est tragique que j'ai pas bonne plating, mais ça change vraiment le matchup pour le coup, de pas avoir bonne plate. Ok, j'ai enfin pu crash. Je force un très bon trade, parce que du coup, il y a mon équipe derrière. S'il troll pas, normalement, c'est free dive, y a pas de raison que ça se passe mal. Faut pas que je troll non plus à trop m'avancer. Parce que sinon, je peux me faire all-in par Aatrox avant. Avant qu'on ait pu dive. C'était chaud quand même. J'ai un tout petit peu trop avancé. Ok, ce move est bien. C'est sûr qu'il s'est sur Lee Sin. Vas-y, faut que je reset fast. Je vais acheter de quoi pas me faire one shot, c'est-à-dire des tabis plus des HP. Je pense pas que j'ai le temps de me faire cancel. Nous scalons. Nous scalons, ils ont pas une très bonne compo. Alors, elle est partie très bizarrement, ils sont full AD. Parce que bon, Zilean, voilà quoi. Bon, ok, Zilean est AP, mais. C'est clairement pas la terreur de la game. Hein. Je vais laisser crash, j'ai pas le choix. Ça joue beaucoup un jeu de spacing là. Je sais pas comment son gank passe. Je suis un timing où ma wave bounce et le Aatrox a vraiment pas envie de casser ce bounce. Hein. Je vois pas comment ce gank passe. Hein. Il semble juste extra vide. Hein. Il a pas d'ulti, il est sur un timing où la wave bounce, c'est un perso qui aime freeze. Je peux essayer de forcer des trades en boucle hein, mais. Hold dive. Hein. S'il fait le tour, je peux délayer le crash, faciliter ça. Il a pas de flash, il a un ignite par contre. Il va peut-être vouloir m'all-in, il y a le Jarvan en bas. Ils sont 4, ouais. Hein. Je peux juste être là en seconde ligne à la limite pour pouvoir tenter un petit grab comme ça. Oh, c'est très sus. Mais ça peut passer. J'ai pas de grab.
Merde, j'ai raté mon Q. J'ai un golem. C'est une game bizarre, hein. Vraiment, je l'ai annoncé tout à l'heure, je pensais pas être aussi autant dans le réel. C'est vraiment une game bizarre. Juste lâcher un coup de démoli sur la tour et je me casse. Il me manque encore beaucoup. Je vais peut-être glisser un anti-heal. Oh, vas-y, quoi. Casse-toi. Lâche la grappe. T'étais top tout du long. Lâche ça. Ton ADC se prend 25 CS. Lâche ça. Et on y en cancel. Ah, oh, c'est ridicule. Ah, je ferai une thèse sur la psychologie des pink wards. Je vous jure que acheter des pink wards, ce n'est pas fort parce que ça donne la vision. C'est fort parce que les mecs pètent un câble pour casser ta pink. Il a pété un câble, hein. Le Aatrox qui fonce sur ma pink comme ça, juste pour la casser. Non, il faut que je parle, il faut que je fasse une thèse sur la psychologie des pink wards. Que j'étudie les phénomènes psychologiques, que je fasse des expériences, que je fasse des preuves et tout. Je vous jure qu'il faut que je fasse des expériences, hein. Bon, allez, hop. Pourquoi ça veut swap? Ah non, ça veut pas swap, ça veut juste me diffuser le banc de support sur la gueule. Attends, d'ailleurs, je vais swap ça parce que ça me stresse depuis tout à l'heure. Je vais me mettre dans ce bush. En fait, il va revenir, il va faire une diagonale directe sur la wave. Attends, mais il est déjà là. Qu'est-ce qu'il fout déjà là, lui? Salut, mon frère. En fait, j'ai pas back. Je suis pas parti acheter du Léatrox. J'étais abandonné pendant 20 ans. Oh, bah je suis mort là. Ok. Mec, il a réussi à faire encore plus de la merde que moi et je jure que c'est légendaire parce que j'ai vraiment fait de la merde de A à Z. Je jure que je pensais même pas ça possible. Parce que putain, j'ai mal joué quand même. Nombre de Q loupés et tout là. Salut. Une réclamation à faire, Kakarvan. Voilà, en plus je lui donne le kill à Pike, du coup on investit en bourse ensemble. Voilà. T'es dans un mood crado, oui. Oui. Venez, je lui chie dessus. Non mais c'est quoi cette TP? Non mais... Il va falloir que j'appuie sur le bouton professeur pour check le hello de la game, là ça va pas du tout. Le Aatrox a 75% win rate. C'est un peu chiant, je peux toujours commencer mes stacks mais jamais les finir. Merde, je crois que j'ai baisé le kill de Pike. Bon, d'accord que ça reset son ulti s'il était dedans et que je le tue. Ouais, c'est bon. J'ai un peu crotté. Chopez-le à la sortie, hein. Mec, j'ai l'impression d'être un papy. Je suis là, je veux me déplacer, je peux pas. Ah, des Zilean, ce n'est pas un papy, ça transforme les gens en papy. C'est infâme. Pour le coup, Zilean, on est d'accord que c'est un champion pas worse. Tu te fais chier à le jouer, donc tu fais chier une personne, tu fais chier les 5 mecs en face. Même si ça rendait heureux tes 4 alliés, ce serait pas worse, parce que tu ferais chier 6 personnes pour en rendre heureux 4. En rendre casser le Nexus. J'ai fait nombreuses fois des games où je tapais pas le Nexus et où ça tournait mal. Ce serait de la normal draft, pourquoi pas. Mais là, non, on va pas finir. Oh, merci.